Depuis tout petit, je suis au club du RFC Argenteuil, anciennement appelé ASVA. J'ai fait mes premiers pas sur ce stade. Et en tant qu'éducateur, ça fait maintenant 6 ans que je suis sur les terrains. Voilà, j'ai passé mes diplômes au fur et à mesure des années. Bah écoute, mon groupe, c'est des garçons que j'ai depuis un moment. C'est une génération 2003 que j'ai depuis U10, voire certains depuis U9. Donc c'est un groupe que je connais très très bien. La cohésion, elle est vraiment très bonne. C'est ce qui nous permet d'avoir de très bons résultats cette saison. Voilà, il y a une super ambiance, voilà, c'est vraiment une ambiance familiale et il y a du plaisir à travailler avec ces gamins. Aujourd'hui, on est invaincu avec la meilleure attaque. Je crois que si je dis pas de bêtises, on a la deuxième meilleure défense. Donc un bilan plutôt positif avec trois signatures de jeunes, dont deux là, qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, le bilan il est plutôt positif depuis le début de saison. C'est bon. On va préparer les PFC, les gars, dimanche. La dernière chance. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui va jouer. Donc je fais mes choix selon ce soir, selon demain. Juste, je vais vous demander vraiment, vraiment beaucoup d'intensité. Parce que dimanche, vous avez encore dominé, mais vous avez encore perdu. Donc gardez au moins la même intensité et peut-être que la chance tournera. 90 minutes, je crie avec vous. C'est moi, je dois dire va à gauche, va à droite, joue l'autre côté, tout, téléguidé, tout le temps. J'en ai déjà parlé avec plein de joueurs. Et là, c'est la même chose. C'est moi, j'ai crié sur Jacob, il a déclenché le pressing, au bout de 3 secondes ou 4, il l'a récupéré. Alors qu'il était tout seul contre 4. Il est juste reparti avec Rosset et dans l'axe. Eux, ils ont joué long, il les a obligés à jouer long. Le temps qu'ils contrôlent, ils remettent la balle à terre, Jacob, il a récupéré le ballon. Alors qu'il était tout seul. Mais je peux pas tout le temps dire Jacob va presser, Doumbia, Yvan, sont en mouvement. Vous imaginez, je m'arrête tous les 3 secondes avec vous. Tous les 3 secondes, je dois. Ah, ça y est, ça doit être automatique, on est dernier. Ça doit être automatique. En fait, vous devez faire l'effort en plus, le mètre en plus. Les 10 mètres en plus, vous devez les faire. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Là, on n'a plus le choix, on est au pied du mur. Tu dois faire une course tu vas, de 10 mètres, tu vas devoir la faire, la course de 10 mètres. Même t'es mort, tu sors, tu rentres, on peut sortir autant qu'on veut. Donc, donnez tout. On s'entraîne comme on joue. Hein. On s'entraîne comme on joue. C'est bon? Bien joué, Eman, au sol. Sofiane, ça sert à rien de me récupérer un ballon et me le perdre tout le temps après. Plus vite, c'est bien, voilà. Enchaîne, rattrape de balle. Ouais, belle, ça va, très bien, ça va, très bien. Ça doit aller vite, là. C'est là que ça doit aller vite. Regarde, ça doit aller vite. Ouais, bien joué, super. Fini. Fini. Attends. Ce que j'aimerais bien qu'on mate, qu'on vienne regarder nos gamins. Après, sur les 2-3 derniers matchs, notamment pour ceux de la montée, les tribunes elles, étaient remplies. Et voilà, les gens ils ont pris du plaisir à venir voir jouer les petits. Et voilà, je pense qu'ils sont favorables à un retour sur Argenteuil. Donc, c'est de bon augure pour la suite.